Roule une boule de pâte Fimo. Fais des creux dans les tasses et fixe des anses. N'oublie pas les soucoupes. On a aussi besoin d'une théière. Fais cuire le service à thé. Choisis la bonne température et vérifie le temps. C'est cuit! On peut maintenant les décorer. C'est magnifique! On doit mettre le service à thé dans une boîte de vaisselle spéciale. C'est un service à thé La Reine des Neiges en édition limitée. Anna et Elsa n'ont rien à faire. Mais elles ne s'ennuient pas pour autant. Elles peuvent sauter sur le lit et faire des bêtises. Et si on prenait un thé? Elle offrit à ses filles un service à thé. Elle l'adore! Maintenant, on peut prendre un bon thé toute seule. Lady Anna, voulez-vous du thé? Qui a apporté ces bouchons d'oreilles? On va s'en servir. Dessine un visage rigolo avec du blush. Ce squishy est trop chou! Les filles se trouvent au parc d'attractions. Oh, il y a un nouveau manège! On devrait l'essayer? La grande fille passa en premier car elle avait la bonne taille. Mais la deuxième fille était trop petite pour faire un tour. Elle était si triste. Mais l'employé du parc réussit à la calmer. Prends ce squishy, il va faire un autre manège. Maintenant, elle était contente. Et les autres enfants voulaient jouer avec son jouet. Elle finit même par se faire des copains. Dissous du silicone à deux composants et ajoute du colorant alimentaire. Remplis le moule, laisse durcir et... Coucou le bébé! Mets-lui un chapeau et une couche. Fabrique une poussette à partir d'un récipient en plastique recouvert de tissu taille-en-taille. Des roues et une poignée la rendront encore plus sympa. N'oublie pas la déco. Le baby born s'est vite endormi dans sa poussette. Cette boîte contient tous nos jouets. C'est l'anniversaire de Stacy. Tout le monde rigole et s'amuse. Et Stacy reçoit ses cadeaux. Elle est si heureuse d'avoir reçu tous ses nouveaux jouets. Souffle les bougies. T'as fait un vœu? Maman apporta le cadeau principal. Une poupée baby-born avec une poussette. Stacy joue avec lui et le nourrit. On va prendre une photo pour ne jamais oublier cet incroyable anniversaire. Découpe des images imprimées d'Anna et d'Elsa. Fais un livre avec. Toutes ces tenues de la Reine des Neiges sont trop sympas! Lucie et sa mère se rendirent chez le dentiste. Cette gentille dentiste peut s'occuper des enfants les plus difficiles. Bon travail! Tiens, des poupées en papier comme récompense. Merci la fée des dents! Maintenant, Lucie va pouvoir se divertir pendant qu'elle se fait soigner les dents. Lucie fait un défilé de mode en papier. Peins une gomme et forme un petit château avec tes couleurs préférées. Et aussi le toit. Peins les fenêtres et les portes. Ajoute des paillettes. Recouvre un socle en plastique de papier mousse scintillant. Le château de la Reine des Neiges est maintenant terminé. Fabrique une boîte. Et recouvre-la de plastique. Stacy joue dans sa chambre. J'aimerais tellement être dans un vrai château et vivre comme une princesse. Soudain, un château apparut comme par magie. Waouh! Il est exactement comme celui d'Elsa. Il est trop beau! Pendant que la poupée regardait le château, quelque chose de magique se produit. Incroyable! Je suis dans la Reine des Neiges? Comment t'as atterri ici? C'est un endroit magique!
Tu peux faire un tour, mais je vais devoir bientôt te renvoyer chez toi. Waouh ! Et Stacy se retrouva de nouveau dans sa propre chambre. Maman ! Je viens de visiter ce château. Pas avec ma poupée, mais avec moi-même. Ah là là, t'as tellement d'imagination. Par une boîte en plastique, en bleu. Ajoute un flocon de neige et des straps. Il faut une anse. Utilise une chaîne. Fabrique un cerceau avec du fil de fer épais. Ajoute une déco et des strass pour le rendre magnifique. Recouvre un petit miroir de peinture et de paillettes. Et de strass scintillants. Enfile des perles sur un fil fin. Quel magnifique collier de perles! Qui aura cet adorable ensemble de bijoux? C'est l'anniversaire de Lucy. Tout le monde s'amuse comme des petits fous. Youhou! Mais Lucy attend ses cadeaux. Elle aime vraiment beaucoup la Reine des Neiges. Elle a même une perruque d'Elsa. Elle l'a mise pour sa fête. Chérie, je sais depuis combien de temps tu veux ça. Trop bien! Cette couronne et ce collier l'ont transformée en une vraie petite Elsa. Joyeux anniversaire! On peut utiliser ce petit arc-en-ciel décoratif pour faire un pop-it. On a renversé des perles. Peins-les. Waouh, c'est un vrai pop-it. Une mère et sa fille se promènent dans un parc. Mais la maman est très occupée à travailler. La petite fille est agitée. Elle veut jouer et courir partout. Oh ma chérie, donne-moi une seconde. Maman, prends ce pop-it. Appuie, appuie! Ça me plaît! Waouh, mon stress disparaît! Peins une perle en rose. Recouvre-la d'un morceau rond de papier mousse. C'est un biberon spécial, Lola. Découpe une robe dans du papier mousse. Ce mot va très bien avec son serre-tête. Ce top à cœur et cette jupe à pois sont trop mimi. Transforme une étoile en peigne. Cette mini poupée LOL a besoin d'un emballage. Peins-le en doré et mets un autocollant LOL coloré autour. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Stacy et sa maman se sont rendues au magasin pour faire du shopping. Maman, je peux avoir un nouveau jouet? Bien sûr, ma chérie. Il y a tellement de poupées LOL différentes. Mais elle remarqua alors une poupée LOL surprise ultra grande. Wow! Tu sais ce que tu veux? Oui, la grande dorée. Je la veux. D'accord. Du coup, elle l'a pris. Merci, maman. Voyons ce qu'il y a dedans. J'ai trop trop hâte. Elles ouvrirent le couvercle ensemble. Waouh! Mais maman était ébahie. On a une poupée vraiment mignonne. Et tout un ensemble d'accessoires. Tu peux lui brosser les cheveux et la nourrir au biberon. C'est mon jouet préféré! Yeah! Fais une silhouette de personne avec du fil de fer. Fais une boule de patimo pour la tête et sculpte le corps. Attrape un pinceau. Peins la poupée. Ajoute des ailes. C'est une édition collector limitée. Stella la fée. Maman emmena sa fille faire un pique-nique. Elle étendit une couverture par terre et posa tous les desserts dessus. Pendant que Stacy joue, maman a le temps de travailler. Mais Stacy s'ennuie. Maman, on peut jouer? Va t'amuser avec les autres enfants. Salut! T'as une poupée, toi aussi? Les filles se présentèrent chacune leur jouet. Stacy a une belle fée. Et Lucy a une adorable princesse. Elles ont beaucoup de choses en commun. Même leurs poupées sont copines. On va utiliser du tissu doux pour faire la tête d'Olaf.
Voici son nez en forme de carotte et ses yeux. Dessine un sourire et une dent. Ajoute un corps et des jambes. Et des bâtons pour les bras. Et des boutons. Elsa et Anna passent presque tout leur temps ensemble. Elles adorent jouer à des jeux et s'amuser. Leur marraine est venue leur rendre visite. Les filles, surprise! Regardez ce bonhomme de neige! Waouh, un mini Olaf! Les filles l'adorent. Yay! On le nourrit? Mm-hmm. T'aimes les sucettes? Et un peu de café? Yummy! Le bonhomme de neige est bien rassasié. C'est le début d'une belle amitié.